Et voilà, c'est donc parti pour Fire Emblem Red and Down sur Nintendo Wii, parce que ça fait longtemps que j'ai pas mis la vidéo sur la chaîne, tout simplement. Voilà. Et que... Bah, je suis aussi curieux de connaître l'histoire, hein, tout simplement. Alors, donc c'était à la fin du chapitre 8, où... a décédé, voilà. Et donc on démarre le chapitre 9. Mikaya et ses compagnons se laisse prendre dans un piège pour sauver les prisonniers de Dain. Même sans l'aide du vaste réseau d'informateurs d'Izuka, tout le monde à Dain est au courant de l'héroïsme dont a fait preuve Mikaya dans le marais de Shifu. Exaltée, les citoyens de Dain la surnomment « prêtresse de l'aube » et placent tous leurs espoirs en elle. En cette noire période, elle est la promesse d'un avenir meilleur et d'une nation libre. Dans tout le pays, le peuple se soulève contre la cruauté et la brutalité de l'oppresseur. Les forces de Bignon ne peuvent pas être sur tous les fronts. Pour renforcer la défense de la capitale, le général Jarod place ses troupes dans tous les endroits stratégiques. Ses hommes demeurent plus nombreux que ceux de Dain. Et toutes les défenses ont été renforcées pour contrer l'armée de Mikaya. Cependant, les troupes de libération se battent corps et âme, et l'armée d'occupation commence à se démoraliser. L'armée de Mikaya perce les lignes ennemies les unes après les autres et gagne du terrain. Mikaya ne tolère plus les mauvais traitements qu'Izuka fait subir aux Lagus. Toutefois, elle continue de mener l'armée dans sa fulgurante avancée. Nevassa n'est plus qu'à quelques jours. Donc, chapitre 9. Retour d'un survivant. Non, c'est pas Nolan. Il n'a pas survécu. Je me demande de qui il parle. Oh. T'as une très bonne nouvelle, ah bon. L'apôtre vient de constituer une commission, soit qu'elle soit à quelle enquête sur les abus de l'armée d'occupation. Donc c'était ce qu'on avait vu à la fin du dernier épisode. Par décret impérial, elle ordonne à l'armée d'occupation de cesser sur le champ toute manœuvre militaire. Oh! Moi aussi j'ai du mal à y croire, sauf, t'en fais pas. Il n'y a pas. Il y a une série sur les gâteaux, puisque la commission d'enquête est dirigée par le duc de Persis. Ils pourront entrer librement chez nous, mais qu'ils soient là, nous n'avons plus aucun souci à nous faire. Ouais! Le duc de Persis. Le seigneur Sephiran! L'apôtre Sanaki a donc confié cette affaire à son bras droit. Quel genre d'homme est-il? C'est quelqu'un d'extraordinaire, une personnalité haut placée, très influente mais pas pompeuse du tout. Donc c'est un type bien, techniquement. Ouais, on va aller annoncer la bonne nouvelle. Youhou, on va sortir le champagne. Pouf. Je ne bois pas d'alcool. Bonne façon d'expliquer les choses. Le gars, il aime pas du tout Isuka. Il faut dire ce qu'il a fait à ce pauvre Lagus. Je pense que moi aussi, je lui ferais bien sa fête à Smirball. Si c'est un cessez-le-feu, on va se battre contre qui? Donc pas, sont pas censés avoir le droit d'attaquer.
La proie qui convoite est bien plus intéressante que ces vieux schnock. Pas mal le langage qu'il utilise. Espèce de vieux schnock. Si je dois tomber, tout naturel que l'être responsable de tous les échecs tombe également. Cette fille doit payer. Non, Mikaya ne tombera pas. Cette crinière argentée. Ouais, bah c'est pas une lionne non plus, hein. Enfin, un lion, parce que les lionnes n'ont pas vraiment de crinière, mais... c'est une crinière. Camp de libération. Nuit tombée. Le prince Polias va vous faire l'honneur de vous adresser quelques mots. Va te faire foutre, connard. Merci. Que vais-je manger en premier? Le gars il pense qu'à bouffer. Ok. Je crois que le soldat et le repas est à son goût, oui. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? Pélias, qu'est-ce qu'il y a à me faire, Pélias? Bon, c'est pas grave. Ha ha! Il est jaloux! Donc il nous donne de l'argent, c'est ça? J'ai bien compris ce qu'il a dit là. Ouais. 10 000 écus, ça fait plaisir. Vu que j'étais pauvre. Oui, oui, je suis en train de lire les textes pour une fois. Ça parle d'amour. Enfin, son ami, mais bon. Ah, eh ben elle donne quand même aussi quelque chose. Et qu'est-ce donc? Passage. C'est une attaque. Pas trop... Ouais, ça me dit rien du tout. Ah. Voilà. Permet d'extérieur si le groupe est au corps. Ouais. Bien sûr. C'est juste une affaire. Oh. Oh, Flash. Flash Gordon. Sort basé sur le même jour au niveau avancé. Uniquement pour les unités au service du bien. Techniquement, ça devrait être pour Mikaya. Ça marche pas. Ouais, elle est pas assez forte. Mais non, mais non, mais non, reviens! Même si je suis pauvre après ça, au moins que je l'achète. Et ça fait quoi le fragment? Augmente la constitution de Wano, autant acheter le marque.
Magistère. Voilà. Et je suis pauvre. Attendez, elle est niveau combien ma soeur, ma Mikaya? C'était trop tentant. Hein? Mais si, magistère, tu peux pas l'utiliser? Merde! Oh bah tant pis, hein. Tu fais une fausse joie. Mourir. Du 1 contre 3, c'est ça? Général Jarod, que faites-vous ici? Ma vie est fichue à cause de vous, mais quitte à sombrer, autant ne pas le faire seul. Connard! J'emmène avec moi le général de l'armée de libération de Dayan, l'illustre prêtresse de l'aube. Fuck you! Le royaume de Dayan renaîtra même si vous me tuez, la lutte continuera tant que vivra le prince. Le prince n'est qu'un épouvantail, un être sans aucun charisme. Le vrai joyeux, celui qui brille suffisamment pour guider les peuples, c'est vous! Et toi, tu n'es qu'une limace! Je vais t'écraser comme une limace! Tel Jugi Liang écrasant Jan He! À l'époque des trois royaumes! Mais derrière, Sima y a pris le pouvoir. Préparez-vous à subir, prêtresse de souffrir, pas subir. Oh, qui c'est? Chevalier noir. Des torches. Restez derrière moi. Ouais, bien sûr. Ouais, sinon tu peux pas utiliser. Pourquoi tu peux pas? C'est vrai. C'est vrai, c'est une fausse Béorque. A priori, donc c'est peut-être pour ça que ça marche pas. Sinon pourquoi ça, ça veut pas non plus? T'es quelle classe? Bon par contre, ouais... Chevalier noir. Ça, ça va être hard dans le noir quand même. Et toi là. Voilà. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas enlevé les animations. Tac. Voilà. C'est tout. Faut espérer que tu fasses plus mal. Tant pis.
Nous, tiens, 70 points de vie, quoi. Bam. Un tueur. Un Black Knight. Qu'est-ce que tu fous, toi? Oh oh. Vais-je déjà mourir? Et des chances. Vérifier, tu me tues en une fois? Normalement, oui. Je pleure. Comment qu'il l'a balancé? Toi, t'as un javelot, ça me plaît pas. Comment ils veulent que je reste vivant tout le long de la map si elle a que 18 points de vie et si ils sont que deux? Espèce de nul. Qu'est-ce que tu voulais faire? One shot quoi, c'est la folie. Oh. Ah mais en fait toi tu pouvais pas venir. Oh, ok, ouf. Ah c'est cool. Lame d'air. Schlack. Putain mais il est destructeur quoi. Oh venez, 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 ça m'arrange. Oh oh. Beaucoup critique. Yes. Oh putain. Allez, cette fois-ci on y va. Et on bronche pas.
me dis que j'ai peut-être une chance en me mettant là. Ah mais merde. Oh ça c'est pas vrai. Eclipse! Qu'est-ce que c'est ça? Capacité spéciale. Dommage que j'ai pas mis les cinématiques en fait. Ça avait l'air d'être très pas mal à regarder. Bon. Ah, c'est bon. Je me risque à me mettre là. Et dire oui. Je stresse à chaque pas que je fais en fait. Comme mettant par là, techniquement il y en a deux qui arrivent. Je crois. Qu'est-ce que je disais? J'ai bien fait de pas me mettre plus loin. Et là j'ai quoi? J'ai une lance et j'ai un arc. En me mettant juste ici, ils peuvent pas aller plus loin. Par contre, il y a tous ceux qui peuvent venir de là. Ouais. Bon, pas. Oh, mais attendez, non. Ce que je peux faire, comme lui, là, je peux me mettre, je peux me faire l'attaquer lui. Quand même. Pour avancer Mikaya. Ça, c'est possible. Ouais, parce que ça me fait quand même peur de me mettre là. Ils sortent d'où là, sérieux? Il y en a combien? Ce qu'ils me font, et c'est qu'ils me font flipper à force, sérieux! Si je me mets là.
Il est où le boss juste? Il est là ou il est par là? Je me demande maintenant. A priori, il est pas là. Donc merde. Peut-être plus par là. Il pourrait pas arrêter de venir les ennemis par contre, ça m'arrangerait parce que là... Merde quoi. Une chose est sûre, c'est qu'il est pas par là le boss quoi. Il est par là. Mais où exactement? C'est ça que je me pose comme question. Je te mets là. Hop, je vais m'attaquer. Pour faire avancer un peu plus Mikaia, techniquement, je pourrais le faire. Bon. Archer qui était planqué. Eh ben, il est lock. Il est toujours pas là. Il est où? Il joue avec mes nerfs en fait. Là. C'est pas possible. D'accord que là... On peut se poser des questions. Mince alors. Ah, il est là. Ah. Allez donc. On est d'accord que je peux pas mourir. Heureusement. Votre excès de confiance est pathétique. C'est toi qui es pathétique. T'es un rat, comme il dit. Espèce de rat. Va en enfer. Voilà. Funeruba! Et voilà, Jarod est vaincu. Oh, punaise. Faites tes prières! Sois pas aussi courtois. Dis-lui, fais tes prières, tout simplement. Ce coup donnera votre, sonnera votre clac. Schlack!
Alder. Alder Baran. Il vient de mourir pour toi. Voilà ce qu'il vient faire là. Bah t'es déjà allé en... tu viens d'aller en enfer. Moi non plus j'en doute pas qu'on se reverra. Nuage noir. Ah ah. Heureusement que Mikaela est là, est quand même là pour raisonner un peu sauf, parce que sinon, tout le monde sera des méchants. Et le chevalier noir était le meilleur général de Daïn. Ouais. Bah ça se voit, hein, vu comment il les a explosés avec des coups critiques de la mort. Faut pas dire ça, sauf, voyons. Moi je trouve que c'est un bon plan. En tout cas, fuck Jarod. Voilà. Va refaire le caméléon comme tu sais si bien le faire dans la série, le caméléon. C'est vrai que j'ai jamais pu blairer d'ailleurs. Je trouvais ça trop naze. Mais bref. Et, chapitre 9. Retourne au surveillant, donc il est terminé. Et on va bientôt pouvoir enchaîner sur la fin de la première partie du jeu, à savoir le chapitre 10. Et donc, il m'en aura fallu du temps pour le faire, ce jeu. Et encore, ce sera que la première partie sur 3. J'ai encore du chemin à faire. Sur ce, à très bientôt et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!